Convocation ayant été dûment signifiée à M. le maire Jean-Guy Desrosiers, au conseiller M. Gaston Morin, M. Gaston Caron, M. Yves Gendreau, M. Michel Messier, M. Marc Lorrain et M. Rémi Langevin, une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny se tient ce lundi 6 juin à 20h. Merci, Mme la greffière. On est très heureux de vous voir en si grand nombre ce soir. Donc, c'est inhabituel pour nous, mais quand ça arrive, on n'est pas désolé du tout. Ça nous fait plaisir. Donc, bienvenue. On vous souhaite la bienvenue en salle et la bienvenue aussi aux gens qui vont, par le truchement de la télé, qui auront l'occasion de voir deux conseils municipaux ce soir au lieu d'un, pour le même prix, c'est déjà beaucoup. Et vous allez voir que le deuxième conseil, c'est le conseil d'un jour, souvent des gens qui seront peut-être là dans 25 ans pour officier au niveau de la ville, pour y travailler ou faire autre chose, mais on sème, puis des fois ça peut arriver qu'on récolte des gens qui ont l'ambition de venir prendre nos places en avant. Ça, c'est tout à fait, à cet âge-là, ça nous inquiète moins. Donc, on en est à l'ouverture de la réunion, je prendrai une proposition pour le projet d'ordre du jour. Monsieur Michel Mercier, appuyez de. Monsieur Yves Gendreau, est-ce que c'est adopté? Adopté. Ce soir, on a une consultation publique. Je demanderai à notre directeur adjoint à l'urbaniste de nous présenter les deux projets de dérogation mineure. Oui, merci. Bonsoir, M. Desrosiers. Donc, c'est ça, ce soir, on a deux cas relativement simples, deux dérogations mineures. La première concerne le 158 rue Saint-Jean-Baptiste-Ouest. Ma présentation. Donc, c'est ça, dans le fond, c'est suite à la vente d'une propriété où une irrégularité est comme apparue lors de la rédaction du certificat de localisation. En fait, c'est le certificat de localisation relève que le garage se localise à 91 cm de la ligne plutôt qu'à 1 mètre, tel que le prédit le règlement. Donc ça, c'est le fameux certificat de localisation. Il est encerclé en rouge le coin là, qui serait un peu trop proche de la ligne. Donc on voit quand même c'est dans le fond de la cour. Le garage a été fait en bonne et due forme, là, conformément à un permis de construction émis en 2012. Dans le fond, c'est une erreur probablement de la personne qui l'a construite, ou du moins quand on rédige le certificat de localisation, le bornage est relevé avec une précision beaucoup plus pointue que lorsqu'on mesure souvent à partir de la haie du voisin. Là. Fait que c'est probablement ça qui explique le 91 cm plutôt que le mètre tel que le prédit le règlement de zonage. Donc la demande consiste à rendre réputée conforme cette implantation de dérogatoire-là. La recommandation du service était favorable, de même que le comité consultatif d'urbanistes. Le demandeur est de bonne foi. La localisation exacte du garage est apparue lors de la confection du certificat de localisation. Donc, c'était ça pour le premier cas. Pour le deuxième, on se transporte un peu plus dans la campagne. C'est au 325 chemin des Cascades. Ça concerne un bâtiment agricole. Une ferme laitière, plus précisément, dans le fond, qui fait l'objet d'une demande de dérogation mineure pour une reconstruction, une nouvelle laiterie en lieu et place de l'ancienne. Toutefois, avec les nouveaux standards, etc., la nouvelle annexe du bâtiment va être un peu plus grande, ce qui amène, qui est 30 pieds par 40 pieds, là, ce qui est un peu plus... l'ancienne, elle ne faisait pas 30 pieds là, de profond. Ce qui nous amène à un peu plus proche du chemin. Le règlement prédit 50 mètres du chemin pour tous les bâtiments agricoles. Dans ce cas-là, on aurait 45 mètres. Donc, c'est ça en quoi concerne la dérogation mineure. Dans ce cas-là, on avait été favorable parce que, d'une part, il y a comme un bâtiment existant qui est entre le chemin puis la laiterie. Donc, c'est peu visible du chemin.
Ça l'atténue l'effet un peu. Là. Puis dans ce cas-là, effectivement, il y aurait, si on refusait cette demande de dérogation aux mineurs-là, il y aurait effectivement, à notre sens, au sens du service, un préjudice pour le producteur, puisqu'il doit mettre sa laiterie aux normes de 2016. Donc, c'est ça, de toute façon, on parle quand même d'un caractère mineur de la dérogation, puisque c'est 45 mètres plutôt. C'est 46 mètres plutôt que 50, qui on parle juste de 4 mètres. Là, alors, quand toute chose étant égale par ailleurs, ça reste mineur. Merci, M. Prévost. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des commentaires ou des questions, parce que quand il y a une dérogation mineure, puis on la dépose en début de séance, parce qu'il y aura une résolution qui va être prise un peu plus tard dans la soirée. S'il y a des commentaires ou des gens qui ont des questions, sinon, s'il n'y a pas de questions, pas de commentaires, ben je remercierai M. Prévost de la présentation. Donc, c'est deux éléments à caractère très mineur. Je pense que dans le secteur du chemin des Cascades, je pense que ça fera 5 mètres, ça ne fera pas une grosse différence. Puis, 0.97, puis ça fait très, très peu, mais il faut que ça soit exactement. Quand on veut vendre notre propriété, c'est peut-être ça qu'on doit dire. Quand on veut vendre notre propriété, puis on a des bâtiments, puis il y a eu des changements de cadastre, puis des fois, ils sont plus près de la ligne qu'on pensait qu'ils l'étaient. Ben, automatiquement, ben, le prêteur exige une dérogation mineure pour certifier qu'il n'y aura pas de problème avec le bâtiment qui est bâti sur le terrain du propriétaire. Donc, c'est juste peut-être en attendant donner un peu d'informations. C'est que je laisserai la place maintenant à la greffière parce qu'on a des dépôts à faire. Merci, M. le maire. D'abord, je procède au dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire qui tiennent compte de délégations de pouvoir de dépenser selon une politique d'achat pour la période finissant le 3 juin 2016. Puis, le dépôt du registre daté du 1er juin 2016 énumérant les occupations du domaine public autorisé en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la Ville de Montmagny. Et enfin, le dépôt du certificat des personnes habiles à voter sur le règlement numéro 1176 remplaçant le règlement 1168 et décrétant une dépense et un emprunt de 160 000 $ pour financer la phase 1 du programme de réhabilitation de l'environnement consistant à la réalisation de travaux d'installation ou de mise aux normes de tout système de traitement des eaux usées d'une résidence isolée. À ce sujet, une journée d'enregistrement s'est tenue en ce jour et aucune personne habile à voter n'a finalement apposé sa signature au registre. Concernant les trois dépôts, le conseil municipal en prend acte avant de les déposer publiquement. Lorsqu'il y a des questions, les gens les posent et pour le moment, les trois dépôts, les réponses étaient conformes. Et c'est simplement un dépôt. Quand on fait le dépôt, ben, ça devient un document public qui est accessible aux citoyens. On irait pour les résolutions qui suivent, chère madame, le moment palpitant arrive. Résolution 2016-251 est de nommer les élèves suivants membres du conseil municipal, directeur général et greffière d'un jour dans le cadre de l'édition 2016 du concours conseil municipal junior d'un jour, soit Victoria Proux, mairesse, Annabelle Duquet-Lacasse, conseillère district numéro 1, Mégane Vézina-Mercier, conseillère district numéro 2, Anna-Rose Quentin, conseillère district numéro 3, Jeanne Fortin, conseillère district numéro 4, Mégane Picard, conseillère district numéro 5, Océane Tremblay, conseillère district numéro 6, Damien Roy-Marois, directeur général et Sarah Maud Rodrigue, greffière. Donc, on doit prendre une résolution. Ça va rester dans les livres de municipalité, même quand vous allez avoir 25, 30 ans, si vous revenez voir dans des livres, ça fera toujours partie des documents officiels de la municipalité. Donc, je prendrai un proposeur. Propose, M. le maire. M. Marc Lorrain, appuyé de... J'appuie. De M. Gaston Caron. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Donc, là, vous êtes nommé officiellement. Je demanderai peut-être à M. Patrick Vachon de venir nous présenter les gens qui vont prendre notre place pour faire leur séance publique. Je vous laisse la parole, M. Vachon. Merci, M. Desrosiers. Bonsoir à tous et à toutes. Je me présente Patrick Vachon. Je travaille au service des loisirs de la culture et de la vie communautaire de la ville de Montmagny. Et je suis aussi responsable là, du conseil junior d'un jour. Depuis plusieurs années, la Ville de Montmagny, en collaboration avec le comité de la famille, met en œuvre l'activité Conseil junior d'un jour.
Cette activité est présentée sous forme d'un concours de dessin pour les jeunes des 4e et 5e années, fréquentant les écoles de la ville. Un thème leur est imposé et les gagnants ont la chance de vivre une journée dans la peau d'un membre du conseil municipal. Cette année, le thème était « Imagine Montmagny ». Nous avons reçu une cinquantaine de dessins des 4 écoles primaires, soit Saint-Nicolas, Saint-Thomas, Saint-Pédis et Beaubien. De ces 9 dessins, 9 ont été sélectionnés par l'Office municipal de l'habitation de Montmagny, supervisé par M. Jacques Paradis, afin de former le conseil junior d'un jour 2016. C'est donc aujourd'hui, en ce 6 juin, que s'est tenue la journée spéciale des gagnants du conseil junior d'un jour. Nous leur avons précédemment attribué leur rôle à jouer dans le conseil junior d'un jour, que ce soit conseiller, conseillère, maire, graphier, graffeur ou directeur général. Nous avons commencé à 10h30 ce matin en allant chercher les gens dans leur école respective. En limousine, bien sûr. Par la suite, nous sommes allés dîner avec M. le maire, M. le directeur général et la graffière ainsi que les conseillers municipaux au restaurant La Volière où chacun a pu faire la rencontre de son homologue de la journée. Par la suite, nous sommes allés faire un tour d'avion chez Air Montmagny et par la suite, nous avons fait la visite des infrastructures de la ville de Montmagny, soit le garage municipal, la caserne ainsi que l'hôtel de ville. Chaque jeune a pu prendre des photos, puis qui vont rester dans leur album souvenir et faire une visite là, assez interactive là, avec les membres là, de la ville. Ce n'est pas tous les jours qu'une telle journée leur est proposée. Félicitations à tous les gagnants. Nous tenons également à remercier la maison funéraire Laurent Normand pour avoir fourni sans frais une spacieuse limousine ainsi que son chauffeur, M. Fournier, pour toute la durée des visites. Nous remercions ainsi M. Jacques Paradis et son comité de l'Office municipal de l'habitation de Montmagny qui ont fait la sélection des dessins gagnants et les membres de la ville qui ont bien voulu nous faire la visite de leur établissement de travail. Finalement, nous remercions les écoles participantes, l'école Saint-Thomas, Saint-Nicolas, Beaubien et Saint-Pédis pour leur collaboration. Sans l'aide de tous ces collaborateurs, cette journée n'aurait jamais vu le jour. Sans plus tarder, je demanderai aux membres du comité municipal d'un jour de venir s'installer à tour de rôle. J'inviterai tout d'abord Mme la mairesse d'un jour, Mme Victoria Proux, à venir s'installer. Monsieur le directeur général d'un jour, Damien Royer-Marois. Madame la greffière, Sarah Maude-Rodrigue. Madame la conseillère du district 1, Annabelle Duquette-Lacasse. Madame la conseillère du district 2, Mégane Vézina, merci. Madame la conseillère du district 3, Anna-Rose Quentin. Madame la conseillère du district 4, Jeanne Fortin. Madame la conseillère du district 5, Mégane Picard. Et Madame la conseillère du district 6, Océane Tremblay. Avant de commencer la séance, je demanderai aux membres du conseil junior d'un jour de se présenter et d'expliquer brièvement leur dessin au public. On va débuter par la conseillère du district 1, Mme Annabelle Duquette-Lacasse. J'ai dessiné
Victoria Prou. Mon titre, c'est Imagine mon Romani, c'est ça la belle vie. Parce qu'à Montmagny, on a toute une belle vie, puis c'est tout en soleil. Bonjour, moi je m'appelle Jeanne Fortin. J'ai dessiné des enfants qui jouent dans la rue parce qu'à Montmagny, ben, on est un lieu de vie. Bonjour, mon nom c'est Mégane Picard. J'ai dessiné deux personnes qui chicanent parce que en 2016, il y a beaucoup de chicanes, alors que dans le futur, il faudrait mieux s'accorder. C'est pour ça que mon slogan, c'est « Accordez-vous donc, c'est si beau l'accordéon ». Je m'appelle Océane Tremblay, je me suis dessinée avec mon chien à cause qu'à mon ami, à mon manier, on est plein de vie. Bonjour, je m'appelle Sarah Mondrelé. Moi, ce que j'ai dessiné, c'est un parc avec des gens heureux, puis les oies blanches parce que ça nous représente. Puis ma devise, c'est « À Montmagny, on s'amuse ». Bonjour, je m'appelle Damien Royer-Marois. J'ai dessiné une oie parce que les oies représentent Montmagny. Merci à tous. J'inviterai donc Mme la greffière à commencer la séance du conseil. Séance ordinaire du 6 juin 2016 du conseil municipal junior d'un jour. Avis de convocation à Mme la mairesse et aux conseillères municipales. Une séance ordinaire du conseil municipal junior d'un jour de la ville de Montmagny se tiendra à l'hôtel de ville le lundi 6 juin 2016 à 20h. Le directeur général et la greffière y sont également convoqués. Merci, Madame la greffière. En ce début d'assemblée, je souhaite la bienvenue à tous les citoyens présents dans la salle et à ceux qui nous écoutent à la télévision. Vous pouvez donc débuter la lecture de la première résolution. Résolution 2016-001. Considérant que des activités sont organisées encore cet été à Montmagny pour souligner la fête nationale du Québec et la fête du Canada. Il est proposé d'inviter les Magny-Montois et Magny-Montoises à participer en grand nombre aux activités qui seront proposées lors de la fête nationale le 24 juin et lors de la fête du Canada le 1er juillet. Proposé par... Anna-Rose Quentin, à pied par Mégane Picard. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des discussions? Accepté? Adopté. Madame les conseillères Tremblay, Vézina, Mercier et Fortin, pourriez-vous nous parler de ces deux événements annuels? Bien sûr, Madame la mairesse. En fait, plusieurs activités sont prévues pour la fête nationale du Québec le 24 juin. En résumé, les familles pourront profiter de spectacles extérieurs, de structures gonflables, d'amuseurs publics, de jeux d'eau, du maquillage pour enfants et de randonnées en canoë. J'aimerais souligner une nouveauté cette année, c'est-à-dire un tournoi de volley-ball de plage. Il y aura aussi deux catégories, masculin et mixte. Et le coût de l'inscription sera de 10 $ par joueur. Quant à la fête du Canada, les activités se passent davantage au centre-ville le 1er juillet prochain, mais elles seront clôturées comme à chaque année par des spectacles ambulants sur la promenade du quai et par la présentation de feux d'artifice au quai Boulanger. Résolution 2016-002. Considérant que la ville de Montmagny, la Société de développement économique de Montmagny et les Arts de la Seine organisent encore cet été plusieurs activités d'animation au centre-ville. Considérant que toute la population peut profiter gratuitement de divertissements intéressants, il est proposé d'inviter les citoyens et citoyennes de Montmagny à participer aux nombreuses activités organisées dans le cadre de l'événement Un été chaud à Montmagny, qui se tiendra en plein air au centre-ville tout au cours de l'été, comme plusieurs spectacles musicaux en vente en folie au centre-ville et le Carrefour mondial de l'accordéon. Proposé par Jeanne Fortin, appuyé par Annabelle Duquette-Lacasse. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des discussions? Accepté? Adopté.
Justement, Madame la mairesse, je voulais préciser qu'il est possible de trouver des informations supplémentaires concernant toutes les activités organisées tant pour la fête nationale du Québec, la fête du Canada, que pour l'événement Un été chaud à Montmagny, en consultant le journal municipal ainsi que le site internet de la ville de Montmagny au ville.montmagny.qc.ca. Résolution 2016-003. Considérant que la ville de Montmagny construit présentement la future place publique, il est proposé de souhaiter une bonne fin de travaux, une bonne fin de travaux aux travailleurs et d'inviter à la population à profiter de cette nouvelle infrastructure lorsqu'elle sera terminée. Proposé par Océane Tremblay, appuyé par Mégane Vézina. Mais Pelletier. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des discussions? Accepté? Adopté. D'ailleurs, à ce sujet, Madame les conseillères Quentin, Duquette, Lachecasse et Picard, pourriez-nous vous nous parler de ce projet? Avec plaisir, Madame la mairesse. Intégrée à cette place publique, il y aura une scène extérieure de calibre professionnel. En d'autres mots, la scène permettra d'accueillir des spectacles de grande envergure à Montmagny. Une zone de jeu d'eau et des aires de repos seront également aménagées pour toute la population. Pour terminer, l'ensemble de l'aménagement de cette nouvelle infrastructure donnera une nouvelle vie au centre-ville, en espérant que vous y rencontrez un grand nombre. Résolution 2016-004. Considérant que la ville de Montmagny offre encore une fois cet été une multitude de camps estivaux répondant aux intérêts des jeunes. Il est proposé de souhaiter à l'ensemble des jeunes qui participeront aux différents camps un bel été et beaucoup de plaisir. Proposé par Mégane Picard, appuyé par Anna-Rose Quentin. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des discussions acceptées? Adoptées. Nous sommes rendus à la période des questions. Si vous avez des questions, vous devez vous avancer au lutrin, vous identifier et poser votre question. Nous tenterons d'y répondre, sinon M. le maire des Rosiers sera sûrement heureux de le faire. Ça me fait plaisir. Résolution 2016-005. Il est proposé que la séance du conseil municipal junior d'un jour du 6 juin 2016 soit levée. Proposé par Annabelle Duquette-Lacasse, appuyé par Jeanne Fortin. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des discussions? Acceptées? Adoptées. Bravo à tous et à toutes. C'est ce qui conclut notre journée en tant que conseil junior d'un jour. J'aimerais féliciter l'ensemble des participants et participantes pour cette belle journée. Avant de terminer, j'inviterai le conseil junior d'un jour ainsi que le conseil actuel à s'avancer à l'avant pour la remise de cadeaux de la journée ainsi qu'une photo. Bon, on va vous mettre un sac, madame.
Résolution 2016-252 est d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 mai et de la séance extraordinaire du 1er juin 2016. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie des 10 procès-verbaux conformément à la loi et, en conséquence, déclarent les avoir lus et renoncent à leur lecture. Résolution 2016-253 est de prendre acte du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme en date du 17 mai 2016 et d'autoriser les services municipaux ou intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal. Je prendrai quelqu'un pour proposer les deux résolutions. Monsieur Gaston Morin, appuyé de... Chagante. Monsieur Michel Mercier, est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2016-254 est que l'émission d'obligations au montant de 2 829 000 de la Ville de Montmagny soit adjugée à Financière Banque Nationale Inc. Résolution 2016-255 est que les règlements d'emprunt numéro 933, 1048, 1049, 1076, 1051, 1056, 1146, 1169, 1170, 1171 et 922 soit amendé en ce qui a trait au montant d'obligation spécifié antérieurement. Et résolution 2016-256 est que pour réaliser l'emprunt au montant total de 2 829 000 $ effectué en vertu des règlements énumérés précédemment, la Ville de Montmagny émet des obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans les règlements d'emprunt, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 21 juin 2016. Enfin, résolution 2016-257 est d'autoriser le paiement des diverses dépenses du conseil municipal totalisant 2 549,32. Vous avez compris que les trois premières résolutions, c'était des règlements de refinancement d'emprunts qui étaient venus à échéance, dont les nouveaux taux sont très, très, très avantageux. La majorité en bas de 2 % 1,6, 1,7, 1,8. En montant, je pense que c'est des taux nettement avantageux pour les 5 prochaines années, ce qui diminue l'impact du remboursement sur la dette. Et l'autre, c'est diverses dépenses du conseil municipal. Donc, je prendrai un proposeur pour ces résolutions. Proposé par M. Gaston Caron. Appuyé de M. Langevin. Est-ce que c'est adopté? Résolution 2016-258 est de mettre à jour la banque de personnel de bureau à temps partiel créée pour combler d'éventuels postes temporaires vacants à la Ville de Montmagny ou répondre à des surcroîts de travail occasionnels dans les différents services municipaux en matière de travail de bureau, laquelle est maintenant composée uniquement des personnes suivantes, Véronique Bernier, Julie Lapierre, Nathalie Leduc. Résolution 2016-259 est d'affecter M. Claude Robin au poste de préposé aux équipements récréatifs à horaires variables au sein du service des travaux publics et des infrastructures à titre régulier temps complet et aux salaires et conditions prévus à la convention collective de travail d'école bleue en vigueur à la Ville de Montmagny, la dite affectation à titre régulier ayant pris effet rétroactivement au 1er juin 2016. Résolution 2016-260 est de nommer Mme Marie-Philippe Coulombe et MM. Jean-François Désiel et Pierre Gagnon à titre de membres du Comité Santé Mieux-Être de la Ville de Montmagny pour une durée de 2 ans, soit jusqu'au 1er mai 2018, conformément aux règles constitutives et ce, en remplacement de MM. Mathieu Labrec et Kevin Gagnon. Également, de reconduire le mandat de MM. Olivier Côté, Pierre Doucet et Daniel Rousseau au sein du dit comité. Donc, pour les trois résolutions, je prendrai un proposeur. Monsieur Gaston Morin, appuyé de... Marc Lorrain. Monsieur Marc Lorrain, est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2016-261 est d'autoriser le comité local des célébrations de la fête du Canada à utiliser divers lieux publics le 1er juillet 2016 de 7h à 18h, de même que le parc promenade du quai de 18h à minuit pour la présentation d'activités dans le cadre des célébrations de la fête du Canada à Montmagny, et d'autoriser également la présentation de feux d'artifice à partir du Jardin des Souches, quai Boulanger, le 1er juillet 2016 vers 23h. Résolution 2016-262 est d'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, le troisième amendement apporté à l'entente conclue avec Natation Montmagny et signé le 21 septembre 2010, établissant les modalités et obligations entourant la gestion par cet organisme des activités aquatiques à la piscine municipale Guylaine Cloutier, et ce, de manière à y modifier le montant et les modalités de paiement de la compensation prévue à la clause 6. Résolution 2016-263 est d'autoriser la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny les quittances ou tout autre document requis pour le règlement hors cours de réclamation dont le montant est inférieur à 5 000 $.
Donc, pour les trois résolutions au niveau du club de natation, bien, c'est un ajustement du forfaitaire qu'on leur remet pour administrer. Pour ce qui est de la quittance, bien, c'est une petite problématique qu'on a eue à l'usine de filtration pour le système de chauffage. Donc, on a une quittance parce qu'on a réglé entre les deux parties. Donc, je prendrai une proposition pour les trois résolutions. Je propose. Monsieur Yves Gendreau, appuyé de... Michel Gendre. Monsieur Michel Mercier, est-ce que c'est adopté? Adopté. Merci. Résolution 2016-264 est d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville l'entente de service à conclure avec la municipalité de Cap-Saint-Ignace en matière de protection contre les incendies et par laquelle cette dernière confie à la Ville le mandat d'assurer l'organisation, l'opération et l'administration d'un service de protection contre les incendies regroupant le personnel et les équipements des deux municipalités et qui desservira son territoire. Résolution 2016-265 est d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville l'entente à intervenir avec le club Airstream, établissant les conditions et modalités entourant l'organisation et le déroulement à Montmagny en août 2016 du rassemblement Rallye de Loi Blanche, lequel implique notamment la venue à Montmagny d'environ 80 véhicules récréatifs. Concernant les deux résolutions, principalement 264, la signature de l'entente avec le Cap Saint-Ignace, tout ce qu'on... On a signé ensemble, c'est une entente comme un service incendie commun pour les deux localités avec deux casernes. Et l'avantage, je pense qu'il y a des avantages pour les deux parties. Nous, on avait quand même une structure administrative plus importante. Cap-Saint-Ignace, il y avait eu des vacances chez eux. Donc, on a regardé la possibilité de jumeler nos services, puis principalement pour adopter... que l'ensemble du personnel est géré par le chef des incendies de la ville de Montmagny, mais le grand avantage dans tout ça, c'est que les gens suivront la même formation, utiliseront les mêmes procédures de travail, et lorsqu'on viendra en entraide d'un groupe ou de l'autre groupe, on aura la même façon de travailler et ça sera beaucoup plus efficace et efficient. Et à long terme, je pense que ça sera bénéfique pour les deux municipalités. C'est pas une question d'un veut l'autre et l'autre veut l'un, c'est plus une question qu'on partage nos services, nos équipements et l'ensemble de ce qu'on a comme ressources pour permettre d'offrir un service de meilleure qualité. Il était d'excellente qualité, mais il va être encore de meilleure qualité aux deux municipalités. Donc, je trouve que c'est un geste important qu'on pose aujourd'hui parce qu'on se dit souvent, on ne veut pas fusionner les voisins, mais si on peut travailler puis mettre en commun certains services pour nous permettre de pouvoir les offrir à un meilleur coût, puis de garder une pression pas positive sur l'augmentation des coûts, mais au moins la stabiliser si on ne peut pas la diminuer. Je pense qu'on est déjà dans la bonne façon de faire les choses et c'est l'information que je voulais donner, mais soyez assurés, l'ensemble des citoyens, on n'y perd pas. Cap-Saint-Ignace n'y perd pas. On y gagne les deux parties. Donc, puis pour ce qui est d'Airstream, on signe, c'est une résolution qui permet de signer une entente entre les deux parties. Je prendrai un proposeur pour M. Langevin. M. Langevin, appuyé de M. Caron. Est-ce que c'est adopté? Résolution 2016-266 est d'autoriser la greffière ou l'assistante greffière à demander des soumissions par appel d'offres publiques pour l'exécution de travaux de réfection des infrastructures d'aqueduc, d'égouts et de chaussées dans une partie de la rue du Manoir et sur servitude hors chaussée et de nommer conformément à la politique de gestion contractuelle la greffière et l'assistante greffière comme responsables en octroi du contrat qui pourront fournir aux soumissionnaires potentiels les informations administratives et techniques concernant ces procédures d'appel d'offres. Résolution 2016-267 est de proclamer le mois de juin 2016 comme mois de la courtoisie dans la ville de Montmagny et d'inviter tous les citoyens et citoyennes, tant les piétons, les cyclistes, les motocyclistes que les automobilistes, usagers des voies et lieux publics, à poursuivre leurs efforts pour adapter en tout temps des comportements courtois envers autrui, tant au niveau de la sécurité, principalement aux abords des zones scolaires, que de la propreté et du civisme. Résolution 2016-268 est d'acquérir le lot 5,695,763 pour le prix de 140 000 $ conformément à l'entente de promoteurs intervenus et au projet d'acte préparé par Maître Nathalie Dubé et d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville le dit acte d'achat
à y consentir toutes les clauses et conditions qu'ils jugeront nécessaires, afin d'accorder au lot ainsi acquis un caractère de rue publique, lequel sera nommé rue des Tourterelles. Concernant les trois résolutions, concernant principalement 267, dans la rue du Manoir, on en avait parlé quand on a déposé le budget, quand on a déposé le plan triennal. Et vous savez que la rue du Manoir va être payée entièrement par la taxe sur l'essence, le retour de la taxe sur l'essence. Et on va aller en appel d'offres pour la réalisation de sur la rue et hors périmètre municipal, parce qu'il y a quand même certains conduits qui passent sur des terrains privés où on va essayer de régulariser la situation. Et pour ce qui est de la courtoisie, ça fait 10 ans qu'on a une campagne de courtoisie à chaque année. Au mois de juin, on déclare le mois de la courtoisie, mais vous savez, la courtoisie, ça ne se tient pas juste au mois de juin. Si on veut être courtois, il faut l'être 12 mois par année, puis y penser tous les jours, parce que la route n'appartient pas simplement les rues aux automobilistes, elle appartient aussi aux piétons, puis aux motos et aux vélos. Et des fois, il y a des orages assez violents dans ce temps-ci, puis dans l'auto, il ne pleut pas. Mais sur le bord de la rue, quand on attend pour traverser, des fois, c'est un petit peu plus humide. C'est qu'on invite les gens peut-être à céder le passage aux piétons pour qu'ils puissent aller se mettre à l'abri le plus rapidement possible. Et lorsqu'on voyage sur le boulevard ou ailleurs aussi, souvent quand il y a un peu de trafic, si quelqu'un veut adhérer au boulevard, si jamais personne lui cède un peu de passage, ben, il peut attendre pendant 10-15 minutes pour pouvoir atteindre le boulevard. Donc, on dit aux gens, ben, soyez indulgents, laissez passer quelqu'un, ça prend 30 secondes, 15 secondes. Vous allez peut-être manquer la lumière, mais la lumière, elle ne dure pas 2 minutes, ça fait que vous ne perdrez pas toute la journée. Mais c'est vrai aussi pour d'autres niveaux, d'avoir les chiens en laisse, de ne pas laisser nos détritus sur la rue, les mettre dans les poubelles, de nettoyer ses terrains, nettoyer notre bordure en face de chez nous. Des fois, la ville essaie de le faire, mais c'est compliqué, mais vous allez voir des fois des images quand les bordures ne sont pas débordées d'herbes sauvages, puis sont bien nettoyées, c'est beaucoup plus agréable à l'œil. Puis on essaie de maintenir la ville propre, bien aménagée, avec beaucoup d'horticulture. Ça fait qu'on demande aux citoyens, ben, oui, on nettoie notre côté, essayez de nettoyer le vôtre, puis si on le fait tout le groupe ensemble, ben, on va avoir une ville exceptionnelle. Donc, pour ces trois résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose. Monsieur Marc Lorrain, appuyé de Monsieur Gaston Morin, est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2016-269 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale déposé et visant la rénovation du bâtiment 6 au 641 Chemin Saint-Luc et consistant sommairement au remplacement du revêtement extérieur, des galeries avant et arrière et des fenêtres, de même qu'à la réparation de la toiture de la cuisine d'été. Résolution 2016-270 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant l'agrandissement du bâtiment industriel situé au 330 rue des Entrepreneurs, abritant l'industrie Plancher-Mercier. Résolution 2016-271 est de recommander à la CPTAQ d'acquiescer à la demande formulée et d'autoriser conséquemment l'aliénation et le lotissement des lots 3 060 113 117 118, 119, 131 et 5 088 924 et 5 097 375, lesquels sont d'une superficie de 132 205,6 m². La construction d'une résidence étant déjà possible à l'intérieur de l'îlot déstructuré, ainsi que d'autoriser le lotissement d'une superficie de 748,9 m² du lot 3 060 131, afin que le demandeur puisse conserver aux fins de son exploitation le bâtiment agricole, hangar à machinerie qui s'y trouve déjà. Oui, c'est dans le chemin du golf. C'est tout un numéro avec beaucoup de millions là, de terrain, mais que voulez-vous, il faut que ça soit très précis parce que ça devient des documents officiels. Pour les trois résolutions, je prendrai un proposeur. Monsieur Gaston Morin, appuyé de J'appuie. Monsieur Yves Gendreau, est-ce que c'est adopté? Adopté.
Résolution 2016-272 est d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble situé au 158 rue Saint-Jean-Baptiste-Ouest à Montmagny visant à reconnaître réputée conforme la localisation actuelle du garage privé avec une marge de recul latéral de 0,91 m par rapport à la limite ouest de la propriété au lieu d'un mètre tel que l'exige le règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements. Résolution 2016-273 est d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble situé au 325 Chemin des Cascades visant à permettre l'implantation d'un bâtiment agricole avec une marge de recul avant minimale de 45 mètres au lieu de 50 mètres tel que l'exige le règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements. Les deux dérogations mineures, bien, c'est les deux dossiers qui ont été présentés en début de réunion par M. Prévost. Donc, je prendrai une proposition pour M. Gaston Caron, appuyé de M. Yves Gendreau. Est-ce que c'est adopté? Adopté. On est à la période des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez vous présenter au lutrin, vous donnez votre nom, votre adresse et on va essayer de répondre à vos questions. Bonjour, Monsieur le maire. Bruno Nicole, demeurant 377 boulevard Taché-Ouest à Montmagny. C'était la résolution numéro 216-271 concernant la demande à la Commission de protection de territoire agricole. Je pense que j'aimerais avoir plus d'explications. Si je ne me trompe pas, c'est un immeuble, en tout cas, qui est à l'intérieur d'un îlot déstructuré, ça. Si c'est bien le cas. Oui, c'est le cas. C'est, je crois. Partiellement. Je pense que je connais le dossier un petit peu. Là. J'avais toujours eu dans l'idée, quand c'était déjà à l'intérieur d'un îlot déstructuré, que c'était déjà accordé. Là. C'est parce que c'est un morcellement de cet îlot-là. Je pense que c'est un morcellement de l'îlot qui est déstructuré, mais je vais laisser répondre le directeur général. C'est effectivement un ensemble de lots qui appartenaient à un même propriétaire qui est à cheval dans l'îlot déstructuré dans la portion nord du chemin du Golfe et dans la portion sud, il est toujours dans la zone verte. Et puis, pour permettre une aliénation, donc la vente de la portion qui est dans l'îlot déstructuré, ça prend un lotissement, donc morcelé, pour séparer par le chemin du Golfe ce qui doit être cédé au nord pour laisser à des fins agricoles ce qui doit rester au sud. Et donc, pour ça, même si on se retrouve à vouloir construire une résidence dans l'îlot déstructuré, parce que ça implique un lotissement et une aliénation qui comprend en partie la zone verte, il faut malgré tout demander une autorisation à la CPTRQ. OK. Normalement, c'est une demande qui ne peut pas être refusé, je pense bien, parce que ou ça peut, ça laisse... C'est une formalité, serait surprenant que la CPTAQ s'oppose, mais c'est une formalité qui nécessitait d'être faite. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si il n'y a pas d'autres questions, avant de demander le lever de l'Assemblée... Vous avez entendu les jeunes tantôt qui parlaient du 24 juin puis du 1er juillet. Je sais qu'on va avoir une autre rencontre, je pense que c'est le 20 juin, c'est ça? 20 juin, oui. Et est-ce qu'elle est télévisée? Non, va au 11 juillet. Étant donné qu'elle est télévisée, celle de ce soir, j'inviterai les citoyens manumontois. Le 1er juin, ça se tient au Parc Saint-Nicolas. Et on invite l'ensemble de la population, parce que beaucoup des gens mettent beaucoup d'efforts à organiser une activité pour souligner la fête du 24 juin. Je pense que c'est intéressant quand on voit beaucoup de monde venir participer. Puis le 1er juillet, bien, ça se tient ici au centre-ville, sur la rue Saint-Jean-Baptiste, qui est fermée en grande partie, dans laquelle journée, il y a toutes sortes d'activités. Il y a des activités, il y a des gens qui font de la gym, pas de la gym, mais qui font des funambules. Il y a toutes sortes d'activités qui permettent aux gens de s'amuser, ils marchent aux puces, il y a toutes sortes d'éléments. Ça fait que nous, comme conseil municipal, puis comme municipalité, nos employés s'investissent beaucoup. Ben, on est content quand on voit beaucoup de monde. Ça fait qu'on vous invite, mettez ça à votre agenda, 24 juin, 1er juillet, venez faire la fête, puis ça se termine, comme il disait tout à l'heure,
au Quai Boulanger, dans, où on fait un feu d'artifice assez, assez grandiose. Donc, on invite toute la population de Montmagny et ceux qui nous entendent qui ne sont pas de Montmagny, on les invite, sont tous invités. Ça nous fait plaisir de vous recevoir, mais mettez ça à votre agenda, c'est important parce que on ne pourra pas leur dire en assemblée publique télévisée parce que c'est la seule avant les fêtes. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, puis il n'y a pas d'autres commentaires, je prendrai quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée. Je propose M. Marc. M. Marc Lorrain, appuyé de... M. Michel Mercier, mais avant de fermer les caméras, la prochaine rencontre est bien le 20 juin. Oui, puis la prochaine télévisée, le 11 juillet. Le 11 juillet. Mettez ça à votre agenda. 20 juin, 11 juillet. Donc, merci beaucoup. Merci à ceux qui auront l'occasion de nous regarder et écouter à la télé. Puis merci à ceux qui se sont présentés ce soir. Je pense que ça nous encourage à continuer à travailler pour vous. Et pour le moment, on vous souhaite un bon 15 jours. Puis on se revoit pas. Hein. Si vous venez en salle, vous allez nous voir le 20 juin. Et la prochaine, le 11 juillet. Il faut les répéter parce que des fois, les gens les oublient. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.